Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière au Stade de Reims sur Football Manager 2022. On se retrouve après une belle victoire face au FC Metz à la fin de la dernière vidéo. On va avancer ensemble, le choix est toujours pas fait entre Boudbouze et OpenGate. On va avancer ensemble tranquillement, aujourd'hui deux matchs au programme, Paris Saint-Germain à domicile et Rennes à l'extérieur. Je pense qu'on va voir un peu de quel bois on est fait, hein. PSG. Bon, PSG, on verra. On verra s'ils mettent la grosse équipe, on verra. Rennes, par contre, là, c'est un bon match pour se tester. Parce que Rennes, en général, ils sont plutôt pas mal. Et là, non, là, ils sont un peu en difficulté. Mais bon, c'est le début de saison. Par contre, Paris, ça carbure déjà. On va voir, écoutez, on va voir. On va voir. Allons-y tout de suite ensemble. Donc toujours les deux offres qui sont faites. Donc on en acceptera un des deux hein, seulement. Moi je penche pour Riyad. Hein. Clairement je penche pour Riyad plus le profil. Peut dépanner sur les côtés, mais et numéro 10. Je pense que c'est un poste clé dans notre formation et ça nous ferait du bien. Même si je compte beaucoup sur Mboukou. Je pense que ça nous ferait du bien. Alors. Ongen Lukic, gardien de but sous contrat. Ouais, jusqu'en 2024, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le potentiel pour jouer en Ligue 2. Joueur vedette. Joueur vedette. Bon, écoutez, on va le prêter, ça coûte rien. De toute façon, on va pas le faire jouer, donc on va le prêter. Dion Lopi. Est-ce qu'il est dans l'effectif? Non, Dion Lopi, il est en réserve. Hein. Il est en réserve. Après, Dion Lopi, il a un potentiel intéressant. On va le prêter. Tant qu'à faire. De toute façon, il peut être rappelé au cas où. Donc pourquoi pas. Vaut mieux qu'il joue un peu à Sochaux. En plus, un bon club formateur. En Ligue 2. Plutôt que dans notre réserve un peu compliqué. Où il va jouer là-bas, ça sera très bien. Alors, OpenGate, on va attendre. On va attendre. J'attends de voir si Boudbouze accepte ou pas. Ah! Oh, Balogun en équipe des États-Unis, ça c'est sympa. Sympa. Va faire la conf. Rapidement. Ok. Et 5 joueurs appelés en sélection. Penska juste en Suède. Ekitike en espoir, bon après Ekitike. Et tiens d'ailleurs, est-ce que Ekitike il joue? Il est rentré une fois en jeu, en coupe. Ah oui, il joue pas du tout. Allez, Boudbouze vers le Stade de Reims. On va partir sur Boudbouze les gars, on va pas. Ah, ok, il signe. Bon bah du coup, OpenGate, désolé. Hop, Boudbouze, on va l'enregistrer tout de suite. Al Riyad. Et où mon Riyad? Hop. MOC, on va lui mettre quoi? Du coup, c'est quoi le rôle exact dans notre tactique? Milieu offensif d'attaque. Eh ben allez. Bienvenue à toi, Riyad. Petit milieu offensif d'attaque. Bon, intensité normale, tranquillement, on va pas te mettre de. Voilà, on va pas te. Ça on a déjà fait. Hop. Écoute, Riyad, quel numéro tu voudrais? Quel numéro t'intéresserait, mon Riyad? Ben, le 51 comme la Marne. Allez, 51 pour Riyad Boudbouze, c'est bien. Et ben, on va l'inclure tout de suite. Hein. On va l'inclure tout de suite dans l'équipe. Est-ce que j'ai une case juste dans 6 jours? C'est trop juste. Qui va sortir du coup? Rafik Guitane, hein, malheureusement pour toi. Bon, pour l'instant, je vais laisser Mboukou sur le banc. Par contre, on va l'entraîner du coup à droite. On va l'entraîner à droite. Parce que je pense qu'il est amené à prendre cette place-là à terme. On va l'entraîner à droite. On va le laisser en entraînement entier. C'est bien, il progresse en plus. C'est intéressant.
Et je pense qu'il pourra faire la différence en rentrant. On pourra aussi le mettre titulaire. De toute façon, j'ai quand même pas mal de joueurs de niveau équivalent là. Allez, gros match. Gros match. Bah les gars, si vous voulez soutenir, là il nous faut des supporters, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, l'abonnement, ça coûte rien, s'il vous plaît. Fracassez-moi ce petit bouton abonnement. Histoire de faire un peu monter cette chaîne, de faire connaître cette carrière, je pense que ça gagne à être connu, hein, le Stade de Reims qui joue les premiers rôles en Ligue 1. Et puis ça va nous soutenir, les matchs à l'extérieur, on a besoin de supporters. Allez, n'hésitez pas. Coup de boost pas très affûté, c'est pas grave, il sortira en cours de match, pas de soucis. Hey, Thomas Foket, t'es observé par Rennes, ouais, mais tu restes, mon copain. Toi, tu restes, on va repartir sur cette équipe-là. Balogun, Van Bergen, ok. Matuziwa. On laisse Masson. Masson a fait un super match. Hein. Allez, je vais mettre Berisha à la place de Matuziwa. J'ai envie qu'on touche un peu du ballon là. C'est parti. C'est parti les amis. Let's go. Let's go. Allez, c'est un exploit aujourd'hui qu'on peut aller chercher. En vrai, peu importe le résultat, j'ai envie de voir si on peut au moins rivaliser dans le jeu, ne pas être ridicule, faire quelque chose. Oula, si ça peut dégager, franc. Ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose et après, bah. Pourquoi pas l'exploit? Pourquoi pas l'exploit? Oh, Van Bergen, interception. Allez, Van Bergen, fais quelque chose de bien. Ça sent pour Balogun, penalty. Penalty. Oh, la VAR. La VAR. Eh oui, Kimpembe, chose du 48, il nous a accrochés. Oh, Berisha, prends tes responsabilités, Vallone. Allez, pourquoi pas, tout de suite, le stade de l'Aune. Retiens son souffle, poteau! Mais... Oh! Oh! Mais il nous fait quoi? Il nous fait quoi? Oh non! Mais il tire le penalty, il tire sur le poteau, il attend. La balle revient, il bouge pas. Oh, c'est dommage, bien joué Riyad. Allez les gars, on voit qu'on peut le faire au moins. Ça nous donne espoir. Allez, Van Bergen, il va provoquer. Attends, ah, oh. Non, 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 mensonge. Mais si, le retour défensif. Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais si, c'est Johan Diniz, il fait de la marche, c'est bon. Truffert. Allez. Oh, Truffert qui envoie un long ballon. Allez, mais Marquinhos, les gars. Oh, la boulette de Donnarumma! Ça, c'est. Oh, le poteau. Mais ça, c'est réaliste. Petite boulette de Gianluigi Donnarumma. Voilà, le PSG qui n'arrive pas à dégager. Et pourtant, Neymar, Messi. Et. Ito. Ah, dommage. Après, Van Bergen est vraiment petit. Là, à part Balogun, physiquement, de la tête, ça va être un peu juste. Hein. Au niveau des attaquants, après, les défenseurs pour les corners, c'est bien, mais. Sur les centres, nous sommes en train de faire. Oh là 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 là, on se fait crucifier. On se fait crucifier. Oh. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est bon, on va pas avoir ça. C'est dur, on mérite pas. On mérite mieux que ça. C'est dommage. Messi au coup franc. Messi. Le gardien n'avait même pas bougé. Oh là là, patoche au goal, Patrick Pence, il me fait peur. On va subir. On va subir Neymar au corner, Ousmane Doom. Ah, c'est dommage de ne pas avoir mis ce petit but en début de match là. On aurait pu espérer quelque chose, mais là, du coup, c'est mort. Hein. On va rester en positif parce que si on passe en offensive, on va se faire détruire. C'est dommage, mais bon, sur cette première mi-temps, on voit qu'on est capable quand même de faire quelque chose. Hein. Voilà, la qualité des tirs est insuffisante, les gars. Penalty sur le poteau. Frappe sur le poteau. Non. On peut pas voir ça, nous. Là, contre le PSG, pas le droit à l'erreur, les gars. C'est une occasion, faut marquer. Hein. Si on veut pouvoir en tirer quelque chose de ce match-là. Allez, Berisha. Allez, Vallone.
Allez, rattrape-toi. Comme Lilian Thuram. Et après, tu nous fais la célébration avec le doigt sur la bouche. Ballon Berisha, la transversale. Oh, la transversale. Allez, corner. Corner, les gars. Allez. Allez. Woodface, c'est Donnarumma. On va sortir Ito. Ah, on va faire des changements, allez. Masson fait un match correct, mais Matuziwa, Ito, Mbuku. Tiens, El Bilal Touré à la place de Balogun. Allez. Allez, on tente. De toute façon, rien à perdre sur ce match. En vrai, ce match-là, de toute façon, voilà, on part en sachant que ça va être compliqué de prendre des points, mais. Ouais. Sur le contenu, je vais voir des choses sur le contenu, allez. Marquinhos qui temporise, tranquille. Kerrer sur l'aile. Herrera. Ouais, bah, ils vont le faire tourner tranquille, hein. Oh là là, et notre public qui se met à faire les olé à chaque fois qu'ils font des passes. Ça, c'est pas bon, ça. Allez, ouverture sur Van Bergen. Et Messi, mais Messi, arrête de défendre! Menteur! Menteur. Matuziwa, Van Bergen. Allez, allez, la petite passe pour Boudbouz. Allez, oh là 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 là. Riyad, Riyad! Pas toi! Pas maintenant! Allez les gars, allez. Berisha. Mais à qui? À qui? Mais à qui? Oh, mais c'est frustrant. On fait un bon match en plus. C'est frustrant. Ils ont pas eu beaucoup de cases là. Allez, Riyad, bats-toi. Bon, Van Bergen, il est rincé. Berisha, il est rincé. On est ici. Bah, écoutez ça, allez. Allez, de toute façon. Bon, j'ai toutes les forces dans la bataille. Mais presse-le, Balogun, regarde pas. Oh là là. On a eu chaud. Balogun, faut presser, mon ami, il faut presser. Ah non, c'est pas Balogun, c'est Touré en plus. Oh, pareil, allez, j'en demande plus là. Bon, tu viens de rentrer, tu marches. C'est bon, c'est Messi qui marche, pas toi. Attention les gars, je dis Messi il marche, après Messi c'est un monstre. Hein. Mais bon, normalement, c'est très bien que défensivement. Il est léger le travail, hein. Ok, Donnarumma. Oh Mbappé. Oh Mbappé. Oh, c'est au-dessus, Kiki. Non, mon Kiki. Non, monsieur. Bon, bah écoutez, franchement, défait. Ah, on a plus d'expected goal que. Hein. Bon. Après, ça reste des stats, hein, mais on n'a pas à rougir. Franchement, on n'a pas à rougir. Nous n'étions pas favoris, vous avez tout donné. Bien joué, bien essayé, les gars. C'était ça. Que s'est-il passé? Bah, on félicite le PSG. C'est frustrant, j'aime pas perdre. Allez, on a tout donné. Bon, après, attention, hein, la logique est respectée là. La logique est respectée. Bien, bah écoutez, je vais avancer. S'il se passe rien sur le marché des transferts d'ici là, on se retrouve au prochain match du coup à Rennes. Alors, je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve du coup le jour du match face à Rennes. Le mercato est terminé. Malheureusement. Anastasios Donis a encore refusé des offres. On a vu deux super offres de prêt de Angers et. Angers et un autre club, je ne me souviens plus. Saint-Étienne peut-être. C'était un prêt avec obligation d'achat à la fin du prêt à 1,5 million, je crois. Donc c'était plutôt intéressant. Et il n'a pas voulu. Il a refusé purement et simplement. Le problème, c'est que Donis, nous, on ne compte pas sur lui. Et il a quand même un salaire de 60 000 balles, quoi. Quand même, salaire de 60 000 balles. Ouais, on lui a promis d'accepter 9 à 3,2 millions, mais en même temps, personne donne 3,2 millions.
Petit tour de l'effectif du coup avant le match. C'est le cas de le dire. Jens Kajus est un petit peu juste. Berisha blessé. Du coup, hop, on va mettre Matuziwa et Masson. Et on va se mettre un petit Rafik Gitan. Ok, on va partir comme ça. Boudbouzito, Van Bergen. Masson, Matuziwa au milieu, on va revenir à ça. Paez, Gravion. On va peut-être faire revenir Abdelhamid. Est-ce qu'on remet Abdelhamid titulaire? Oui. Hein. Allez, on va remettre un petit coup à Abdelhamid quand même. L'expérience, ça va nous faire du bien. Faire un match comme ça. En plus, juste à côté de Truffert, je pense que ça peut compenser. Voilà, donc du coup, deux jeunes joueurs partis en prêt. Deux jeunes de l'équipe réserve. Et c'est tout pour ce mercato. Bon, au final, si on fait le bilan, les gars, moi je trouve que c'est plutôt propre. Dans le sens des arrivées, du coup, Truffert, 4 millions 9, ça c'est la recrue. De toute façon, c'est le poste qu'on avait identifié hein, après le départ de Konan. Julien Masson, c'est la bonne affaire. Le petit prêt, il va nous coûter 100 000 balles, avec une option d'achat pas trop chère. Et Riyad Boudbouz, pas trop trop grosse indemnité, par contre, assez gros salaire. Voilà, on espère qu'il va le justifier sur le terrain. Après, voilà, on a prêté pas mal de joueurs. Nous, on a prêté 4 joueurs après notre arrivée. On a vendu Kai Service. Ah non, on a prêté aussi Marezic et Kofi. On a prêté 6 joueurs et on a vendu Service. C'est dommage, hein, on voulait vendre aussi Gitan et Donis, mais ça s'est pas fait malheureusement. Bon, c'est que partie remise, on verra au mercato d'hiver ce qu'on peut faire. Après, peut-être qu'on va avoir des joueurs qui vont prendre de la valeur. Écoutez, avançons dans cette saison. Essayons de faire les meilleurs résultats possibles. Qu'on arrive à la trêve. Avec un petit matelas. Franchement, ce serait pas mal qu'on arrive à la trêve, vraiment première moitié de tableau, tranquillement. Allez, on va encourager tout de suite. Comme ça, on verra ce qu'on peut faire. Sachant qu'on a vraiment tout le championnat à jouer cette saison, on va pas forcément avoir un effectif très fourni. Allez, c'est parti avec Santa Maria, Terrier. Terrier qui lance Flavienté en profondeur. Flavienté, la bande. Coup de faillesse qui dégage. Allez les gars. Allez. Pour l'instant, on n'a pas touché grand chose. Boudbouze, Truffert, Matuziwa, Abdelhamid. Allez, le ballon tourne pas mal, franchement ça commence à être pas mal. La connaissance de la tactique, ça a monté. Allez, les joueurs, ils commencent à se connaître. Balogun qui a profité peut-être. Oh oui, Balogun opportuniste. Superbe. Superbe. Let's go. Let's go les gars. Alors on revoit le but. Masson, Ito perd deux balles. Et Balogun qui vient crucifier. C'est pas mal. C'est pas mal. Un petit bug de son, j'ai rêvé. C'est pas grave. Pas grave, on va baisser un petit peu le son du jeu. Ou. La VAR pour le pénalty, peut-être. Oh, ça va, Melling, arrête! Amenez le fauteuil roulant aussi, arrête un peu! C'est bon, voilà, pas de pénalty, allez, ça dégage. Allez, vire de là! Ito, contusion à la cuisse. Non, mais c'est bon, Ito, il est propre, là. Il est bien, il est très bien. Il peut continuer. C'était une feinte. C'était une feinte. Allez, 1-0 toujours. But un petit peu chanceux, mais on prend, les gars. On prend. Oh là là, Van Bergen, tu me fais peur avec tes petites passes en retrait. Et voilà, les gars, c'est perdu. Truffert, bien joué, Truffert qui s'est battu. Boudbouze, Masson. En l'air pour Van Bergen. Ouf. Ouh, coup de fusil de Mitchell Van Bergen. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Bah, on va commencer à pouvoir se situer un peu hein, là, finalement.
Belle prestation contre Paris. Là, on est en train de battre Rennes. Alors voilà, j'espère qu'on va pas avoir de petits pépins dans la saison. Pas trop de blessures, pas trop de faits contraires. Mais franchement, pour l'instant, ça débute vraiment très bien. Je suis vraiment content de vous proposer cette carrière, en plus avec bah, ce club que j'adore. Hein. Le Stade de Reims. Et pourquoi pas l'emmener le plus loin possible, hein. On s'est pas fixé de limite, on n'en a pas trop parlé encore des objectifs de la carrière, mais bon, pour moi, quand je débute une carrière comme ça avec le Stade de Reims, c'est bah, aller le plus loin possible, on va voir ce qu'on peut en faire. Bien sûr, essayer de figurer en Europe, commencer peut-être par aller en Europa League avec le petit but de Gaëtan Laborde. Bon, c'est pas alarmant, mais attention quand même. Franchement, un petit séjour en Europa League, histoire de consolider un peu les finances, petit à petit grossir. Voilà, hein, une petite ascension, pas qu'on aille trop vite. Petite ascension, tranquille. Moi, je vois les choses comme ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, on revient au match avec Amari Traoré. Santa Maria. Badé. Pour Traoré. Le capitaine. Badé. Traoré. Ah, ça jouait la baballe, Santa Maria. Tant mieux, les gars, tant mieux. On a le temps. On mène. Coup de Faes. Balogun. En profondeur sur Ito. Ito, Ito, le samouraï. Allez! Oh, penalty! Ça va! On n'a pas entendu le coup de sifflet. Oh, le stade qui se tait. Oh, le stade qui se tait. Et boum! Hop! Le Roazhon Park climatisé. Allez, bout de bouse, bout de bouse! Et c'est le lent. Contre-pied parfait pour Riyad. Allez, le Roazhon Park, c'est ça. Allez, silence les gars. Les poubelles. Les poubelles. Et contre-pied de Boudbouze. Allez, 3 buts à 1. À la mi-temps. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh, le stade qui est pas content encore. Le stade qui est pas content. Boudbouze. Oh, le doublé sur coup de pied arrêté. Oh, Riyad. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris, les gars. C'est pour ça qu'on l'a pris. La patte gauche. Oui, monsieur. Regardez-moi ce petit ballon. Hop là. Allez, la petite papate. Ah ben, le goal, il a traversé les filets. Et 4-1. Oh, 4-1 à la mi-temps. Oh, ça punit. Oh, ça punit. On cadre beaucoup de frappes. C'est bien, les gars, on continue comme ça. Aïe, 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 aïe. Le stade rennais. Le stade rennais, il n'y a qu'un seul stade en France, c'est le stade de Reims, les gars. C'est ça qu'on veut. Et du coup, le stade, plus de bruit. Ah, ça y est. Le Vromaier. J'aime bien ce joueur, par contre. D'ailleurs, corner. On va laisser le corner. On va l'observer, le Vroumaïer. Je pense que ça va être beaucoup trop cher pour nous. Mais on va garder un œil dessus. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Puis Boudbouze, il n'est pas éternel. Il me faudrait un numéro 10. Ah, bref, MVP peut progresser. Hein, mais le Vroumaïer peut jouer dans plusieurs positions. Abdelhamid, solide. Boudbouze. Et Boudbouze va s'installer en maître à jouer. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. J'espère qu'il va nous faire une belle saison. C'est en tout cas, c'est bien parti. Van Bergen qui s'arrête, qui revient sur son pied droit. Matuziwa, Masson, la petite passe, et Ito! Ah, peut-être hors-jeu, peut-être hors-jeu. Peut-être hors-jeu. On va pas s'enflammer. T'enflamme pas, t'enflamme pas. Il a l'air sûr de lui, hein. Il a l'air sûr de lui. Oh, but accordé. Et but accordé. On va voir le ralenti. Van Bergen qui revient, Matuziwa. Masson, la petite. Ah non! Oh, merci Badé. Eh, lève la main, frère, c'est bien. Merci Badé. Allez, ça. Ciao. Le Vroumaïer. Ah non, il est sorti, le copain. Bon, on ira voir après le match. Beau match, hein, pas truffé un petit peu en dessous. Allez, Abdelhamid. Hop, c'est propre. Masson. Bout de bouse. On va faire tourner, les gars. Hein. On va faire tourner. On attend la fin de l'action. Ito. Ito. Ouh, Birgue Meling qui prend un risque alors qu'il a déjà un jaune. Ah, mais on n'entend pas l'arbitre siffler, c'est chiant.
Allez, la VAR pour la 19e fois dans le match. Alors peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Penalty! Bout de boost pour le triplé. Mais non! Et on rate beaucoup de penalty, hein. Ça fait beaucoup là. Et contre-attaque derrière. Oh là là là. Ah, dommage, Guyade. Oh, goal line technology. C'est pas rentré. C'est pas rentré. Lovro. On te regardera tout à l'heure, mon ami. On a dit qu'on allait faire un petit peu tourner. Oh, 5-1. Je pense qu'on peut faire tourner Riyad. Riyad aime beaucoup. On a des petits gauchers qui peuvent jouer. 10-5 Kebal. Aime beaucoup. On a même encore Rafik Guitane. Dommage, Guitane, j'ai même pas eu d'offre de prêt non plus. Voilà, on va faire vraiment tourner. On va refaire donner un peu de temps de jeu. On va faire rentrer K juste en box to box. Un peu du temps de jeu à K juste. On va garder un remplacement au cas où. Au cas où la petite blessure. On n'espère pas. Bon. Bah, écoutez, plus d'action, moi ça me va. Allez, ça déroule jusqu'à la fin de match. Ça déroule. Ça déroule. Ça déroule. Let's go. Let's go. La démonstration. Non, 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 non. On va dire quel exploit, les gars. Moi, je pense pas que c'est un exploit. Hein. Vous les avez surclassés, tout simplement. On a été meilleurs, les gars. Pourtant. J'espère que d'autres prestations de ces types suivront. Exactement. Et ben, un troisième. Attention, RC Lens. Ouh, RC Lens, 9 points. RC Lens, 9 points. Bon, bah, troisième place surprise. On va aller regarder Lovro-Mayer et puis on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. Ah ouais. Bon, je pense que ça vaut pas le coup de le. Ah, il a que 9 en vitesse. Pas ouf. Honte. Par contre, la qualité. La qualité du joueur. Bah écoutez, je vais sauvegarder la partie. Encore une fois, bah écoutez, si la carrière vous plaît, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, ça coûte rien, ça soutient. Et puis, bah, même si ça vous plaît pas en fait, hein, commentez, n'hésitez pas à commenter, dites-moi si le format vous convient, si vous avez envie de voir plus de matchs dans une vidéo, si le temps de la vidéo vous convient, si vous voulez des vidéos plus longues, plus courtes, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, moi j'ai vraiment envie de proposer un petit contenu vraiment sympa qui plaise au plus grand nombre et puis bah, qu'on prenne tous du plaisir avec, avec cette belle équipe. Allez, et ben, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir, sinon une bonne journée et on se dit à demain.